Allez, on est reparti. Bon. Maintenant, que j'ai ce que je voulais. On va continuer à investir le dédale. Enfin, le dédale. On va retourner dans la forêt. Ferait du hebe. Ce nom quoi, forêt du hibou. Oh. Niveau spécial. Et si en raison d'une force mystérieuse, il n'y a que des Yao. D'accord. J'ai envie de dire de toute façon que Zéo, c'est la perso la plus pétée. Putain. Juste par contre. Ah, tu mets du feu. Bon, je crois qu'on voit quelques coups. Faire chier pas maintenant. Voilà. Là par contre on réparait quand même. Alors un gros coffre. Qui s'ouvre direct avec un gratus. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Une boisson antidote, parfait. Ah, c'est vrai que j'ai oublié d'en reprendre. Je suis reparti sans antidote, moi, comme ça, à l'aventure. Hop là, c'est parti. Encore un gros coffre. Wouah! La classe! Y'a voir? Écrasante. Ah, des stats plutôt sympa. 4 emplacements. Ouah. Ouais, par contre, le reste est pas spécialement top. Par contre, 4 emplacements, c'est craqué du slip ça. La machine, elle évolue en un rien de temps quoi. Enfin, avec les bonnes pierres, quoi. Pomme arsenique. Une banane vigoureuse. Qu'est-ce donc une banane rigoureuse? Vigoureuse. Elle récupère... des PS, mais elle donne soif. Des PS. Attends, les PS, c'est quoi? Non, c'est pas les points de vie des armes. Non, que ce soit PS pour points de santé. Qu'ils aient foiré la trad. Tout à fait possible.
Allez, sans de là. Ok, j'ai rien oublié. Encore une petite boisson antidote qui fait plaisir. La petite châtaigne, un coup dans le vent parce que voilà. Alors toi du coup tu veux quoi? Ils sont les trucs. Ah voilà, c'était la châtaigne. On peut directement aller au niveau suivant. Ah, quoique je sais plus combien. Qu'est-ce que j'ai comme stock de. Section les armes à ce niveau, les PA sont réduits, il ne peut pas changer d'arme. Ah! Je peux pas changer d'arme. D'accord. Bon, on va switch. Parce que l'inspire est quand même bien parti, hein. Ce serait dommage qu'il fait par des points alors que là on s'en fout. Je suis au tout début. Mais ils sont pas où. Bah, pratique. Maison de machin truc. Vieux baron, si tu veux. Hop. Approche. Allez. On s'abuse comme ce truc qui fait perdre des points d'expérience quoi. Oh putain. Sauf qu'on est obligé de défoncer des monstres si on veut récupérer les trucs pour passer. Quoique j'ai récupéré une pierre, je vérifie si c'est pas la bonne, comme ça je me fais pas chier à défoncer tous les monstres. Parce que là, du coup ça sert à rien de débattre. C'était ça. Voilà, comme ça, on parle plus des monstres, j'en tape aucun. On s'en fout complètement. Ah, je pile plus de drain. Aïe aïe aïe. Ok. Putain, mais. Je vais peut-être quand même me récupérer une plume, histoire de pas trop traîner. Voilà. Le magique. Putain.
quand même compte, parce que du coup, il y a taquet de monstres partout, mais... ça sert à rien de les affronter. Et merde. Putain, il fait mal en plus ce con, il a pas fait semblant hein. Yep. Ça fait peur ce truc. Est-ce que je sors maintenant? Parce qu'il est censé y avoir encore deux coffres qui traînent, mais... Bon, allez, je sors maintenant. Faire un petit coup de sortie temporaire, ça fait quand même deux levels que je fais. Puis ça remet les PV. Puis ça permettra d'installer des choses. Maison de zinzin. La maison de truc-truc, là. À travers la maison de truc-truc, ici. Alors. Alors, on a un moulin. Là. On a de la rivière. Plein de rivières, d'ailleurs. Voilà. Ensuite. Récupère. Ah, c'est ça. Là. Cacao, je vais pas récupérer lui. Super, le baron, maître du... Maire du village, du tireur, masque de lion... Cacao... grand gars gentil avec sa petite sœur calme... Masque de la fourrure blanche... M'étonnerait, mais... Ouais... Chacune des maisons, ce qui manque. Escalier, bah même l'enseigne, d'ailleurs je suis pas d'enseigne. Alors. Ah bah, du coup je peux pas accéder à la maison. Vu qu'il n'y a pas d'escalier. Bah oui. Attends, par contre je peux te placer, ouais donc. Tu n'as pas l'air d'être du coin. Eh bien, écoute, si tu es nouveau par ici, tu devrais d'abord aller voir Jurakake machin. C'est cool, sauf que il est un peu sec, l'arbrichou là. Je deviens très agité quand mes vêtements ne sont pas pendus sur le fil de, sur le fil à linge. Tu peux t'en occuper, s'il te plaît. Ok. Ils sont stressés parce que leur linge n'est pas en train de sécher, hein, ça arrive. Pourquoi pas. Donc ça, normalement, maison de cacao, voilà, maison de cacao, elle a des choses. Ah. Foudre. Très bien.
White qui débarque et qui troll direct. Non, White, ce n'est pas un jeu next-gen, non, non. Par contre, les graphismes, ils sont très bien, ouais. Pas de soucis. Oh, je t'avais encore jamais vu. Je m'appelle Cacao, le barde. Il est assurance touriste, en fait, le mec. Je vois, toi, hein. Ouais, j'ai entendu. J'ai entendu. Content de te connaître. Alors, quand tu veux ta maison, n'oublie pas une pièce où je peux m'enfermer pour composer de la musique. Je ne peux pas y arriver si je n'ai pas une pièce spéciale. Ok, si tu veux. Alors, assemblage, cacao. Voilà. Attends, il manque encore enseigne, mais bon. Normalement, logiquement, en ajoutant la pièce, je dois pouvoir accéder à un petit coffre en plus. Non, il n'y a pas un petit coffre. Non, par contre, il y a une ocarina. Il y a lutte. Ok, on va retourner taper du monstre. Quoique, d'abord. Objet. J'ai encore 5 pots de réparation, ça va. Par contre, je pense à plus avoir trop de place d'objet. Va peut-être falloir revendre du merdier quand même. Putain, non, mais le coq dans le coin, il en peut plus quoi. Bon, on va vendre du bordel. Coffre. Une gourde, très bien. Une gourde, est-ce que je la mets? Ouais, je la mets à Xio. En plus, voilà, ça remet toute sa soif. Magnifique. Il y a un autre, il y a un autre. Alors, viens voir ce que tu vends, toi. Toujours la même merde. Tiens, je vais me reprendre une plume. Tiens, t'as droit à un caillou. J'ai vite fait. Voilà. Talisman antidote. Un seul suffira si je décide de l'utiliser. Si j'y pense. Boisson vivifiante. Je puisse pas. Allez, deux trucs de chaque, c'est bien. Ouais, et puis c'est bien comme ça. Attends, lui il vend des trémolos. Ouais, 400 quand même. Hein. Mec, il va pas mollo, si je puis dire. Bon, bah je serais que si je vais pêcher, j'irai voir lui. Ok. Allez, ah, c'est chiant, faut que je sois à 4 km pour pouvoir me téléporter. Bah allez, hein. On est parti. Par contre, j'ai quel attribut de mettre sur cette arme-là. Attribut feu. Très bien. On va quand même du sérieux pâter cette arme. En même temps, il peut, vu comment je l'améliorais. Oh, tu es. Putain, comme je suis fait agresser quoi. Et si on pue de vie déjà quoi. Récupérer un nid.
La carte du donjon, très bien. Bon, moi, je sais où je vais maintenant. Du coup, je vais foncer en direction de la fontaine plutôt. Comme ça, j'irai faire le plein tranquillou. Ouais, c'est quoi ça? Pour les supérieurs, ouais, bah, bah, bah. Tiens, je vole son pain, mec, je suis un fou. Et le dernier truc du donjon. Maladie de la sorcière qui me lance des pokéballs. Oh putain, waouh, elle fait trop mal la salope. Et elle m'empoisonne en plus quoi. Yeah. Ok, donc ça marche. Foncer comme un barbare, ça marche. Je vais peut-être quand même me mettre un talisman anti-poison dans les bimines. Hein. Apparemment, ça peut toujours servir. Je vais mettre quand même un antidote dans ma tronche. Quoique les machins, ça risque de m'empoisonner aussi. Ouais, je m'en prends tellement dans la gueule dans ce donjon. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Putain, mais direct, il met un coup, quoi. Tiens. Approche toi. Allez. Oh mais lol quoi, il y a eu le temps de me toucher. Attends, genre ça se passe pas bien du tout. Ah, merde, j'ai oublié de sauvegarder avant d'entrer dans le donjon. Ah le con. L'abruti con. Anti-gélatine. Bon, on va retenter de bourriner la sorcière. Ça a bien marché. Yeah. Oh putain quoi. Elle lance ses pommes à une vitesse. Je vais me les faire à distance et puis ce sera tout. Hein. Ouah, esquive de la pomme.
Ah bah non, j'ai enfin réussi à m'en faire une sans me faire toucher quoi. Oh putain. Oh putain. Elle fait tellement mal. Ça n'a aucun sens quoi. Ah oui, c'est vrai. Une enseigne, eh ben disons. Ça tombe bien, j'en avais légèrement besoin, quoi. Alors, il fait quoi, le zibou? Il veut une châtaigne. Il faut une châtaigne. Ça tombe bien. Sortie temporaire parce que je me suis pris plein de dégâts dans la gueule et qu'il faut que je sauvegarde. Alors, je suis récupéré des choses. Maison du baron. Maison du baron qui va se mettre là. S'il aura un feu, un bâton à la con. Au vieux baron. On va dire bonjour. Et toi, je ne t'ai jamais vu dans le coin. D'où viens-tu? Ah, du village de Nolan. Pas étonnant que tu sois habillé si simplement. Tout homme devrait se vêtir correctement. Ouais, c'est sûr que... Avoir un ours mort sur la tête pour l'impression d'avoir encore des cheveux et de se prendre pour Sangoku Super Saiyan 3, c'est une idée. Qu'est-ce qui te manque à ta grotte? N'oublie pas le toit, il ne pleut pas au village du tireur, mais la maison du maire doit avoir un toit. Il faut que je fasse bonne figure. Plante. Y'a rien. Putain, taille du fruit, quoi. La frappe bait. Ok. Ensuite. La bonne cuit cuit chmich mich là. Non. Ah voilà. Alors où est-ce qu'elle est sa maison celui-là? C'est celle-là. Et comme il n'est pas dehors, je peux pas lui parler pour savoir ce qu'il veut. Il y a un point de pêche ici. Assemblage. Maison champignon. Maison champignon. Épouse souriante, épouse souriante. Et là, c'est une vieille femme, donc ça colle pas. Le moulin 1. Maintenant, il y a une roue. C'est magnifique, c'est merveilleux. Allons voir ce que ça donne. Marche. Je vais pas rentrer dedans. Si. Et quoi là-dedans? Une gourde qui était planquée de je sais pas où. Tant mieux. Je vais la garder pour l'instant la gourde. Je vais pas la dépenser. Ensuite, des arbustes, waouh, une butte. Ah oui, c'est une belle butte quand même, hein. On va mettre de la butte.
Pas quelque chose dessus. Non. Peut-être en dessous, mais bon, tant pis. Je crois qu'il y a pas de rivière. Voilà, lui, il manquait plus que l'enseigne. Voilà, on va lui dire bonjour. Genre celui qui joue la guitare. Ah, c'est toi. La maison est comme avant, je peux enfin me remettre à chanter. C'est grâce à toi. Tu as écouté? Pff, oui. Bon, Chibi, la chanson s'appelle Chasseur légendaire. Putain, il y a une tête, le mec, il a l'air trop à fond dedans, quoi. Soit qu'il a kiffé, quoi. Plus grand chasseur, c'est notre Fudo. Notre Fudo. Chasseur légendaire que nous admirons. Le tigre blanc n'est plus là. Le plus grand, c'est notre Fudo, le chasseur le plus fort que nous connaissons. Il n'aura jamais sa proie, son regard perçant implacable. Fudo est notre chasseur légendaire. Ça peut essayer de moi, la chanson est en l'honneur de Fudo. C'est pas ou là. Je sais pas. Tu vois. La chanson parle de la personnalité de Fudo. Ou plutôt de sa grandeur. C'est bien dit dans la chanson, seuls les fans de Fudo comme moi pourraient écrire cela. Génial! Tu es une sale groupie de merde! Ça fait 5 ans que Fudo est parti. Il était tellement formidable, il était le héros de notre village. Personne ne pouvait battre Fudo, il était tout simplement invincible. À cette époque, les villageois étaient menacés par un terrible monstre appelé le Tigre Blanc. De nombreux chasseurs périrent sous les griffes du Tigre Blanc. Fudo réussit à s'en débarrasser d'un seul coup. Il avait une puissance exceptionnelle. Fudo est devenu le héros du village. Tout le monde le respectait et, le considérait comme un ange gardien. Fudo était mon idole, je savais que je ne lui ressemblais pas, je n'étais pas aussi fort que lui. Et Fudo réussissait à faire croire qu'on pouvait être aussi fort que lui. Comme par magie, j'ai senti la force monter en moi. Et puis il y a 5 ans, Fudo a disparu. Les mères disaient qu'il avait été tué par un monstre appelé le Serpent Tueur. Même blessé, il continua de combattre le Serpent Tueur, il mourut courageusement. Mais je n'y crois pas, Fudo est toujours en vie quelque part. Fudo ne peut pas avoir été vaincu par un petit monstre comme le Serpent Tueur. Ne le penses-tu pas? Oui, bien sûr. Bien. Je parie que mon exécution t'a donné envie de tenter ta chance. C'est mon trésor, je ne peux pas te le donner. Un instant. Une flûte que j'ai fabriquée, elle sonne bien. Flûte dissonante. En poche. Et limite les souris. Ne joue pas n'importe où car tu atterriras. Car tu attireras les serpents. C'est vachement pratique ta flûte, mec. Sauf qu'avant, on vous a parlé de serpent tueur. On va donner un truc pour attirer les serpents. Voilà. Bonjour Captain Obvious. Est-ce que j'avais pas encore un autre truc à ajouter? Non. Je crois que c'était à fond ce que je peux faire.
Chapter 7. Approche, sac à merde! Yeah! Tiens! Je suis tranché en deux. Toi, la même chose, approche! Trop facile! Alors, il y a un autre chemin juste à côté. Quel coffre! Ça qui est plein. Ah merde! Et ben. Bon, respecte ta coup de poudre de réparation dans la gueule. Ça fait un peu gâchis, mais bon. Rosé accélérant la croissance des plantes. Alors, ok. Une affreuse sorcière. Sac qui plein et merde. C'est vrai que j'ai besoin de place absolument dans mon sac pour pas mal d'objets. Bon tant pis la cour, je m'en fous sur le cul. Hop là. Je me la mets dans la tronche, la gourde. Supérieur. Allez, approche, ma vieille. Je t'ai eu. Oui, par contre, il va voir. Allez, viens. C'est esquive. Oh, putain. Bière, parfait. Bon, qu'est-ce que je peux me défausser? Je suis plein de pain. Je vais m'en séparer de deux. J'aurais même pas gardé tout ce qui est pierre de feu, de vent, machin, je te dis jamais. Très bien, j'ai quoi compéter une de maison en plus. Est-ce qu'on va courir après l'XP? De toute façon, il faut que j'obtienne des trucs pour ressortir. Ça marche vachement bien cette technique. Pour le machin pour les plantes, c'est probablement ça qu'il faut pour accéder à la zone bonus, en fait. Puis, du coup, on fait grandir la feuille pour qu'elle puisse supporter notre poids et passer. Esquive.
bien. Petite sorcière, esquive. Ah putain, mais genre quoi. Bien rouge. Ah, je suis bientôt niveau max avec l'épée. Ah, je suis bientôt passé mon niveau. Il manque un point. Ah, il y a niveau bonus plus loin. Cool. Quoi que cool, j'ai plus des masses de place. Au pire, je balancerai des vieilles pierres à la con. Un petit épée au max. Maintenant, qu'est-ce qu'il me manque? Donc ça c'est bon. Faut de la foudre et du anti-métal. Très bien. Voilà, de la foudre. Et pour remplir le reste, on va mettre de l'anti-plante. À défaut. Ah le con! Ah non! Non, 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 non! C'est quoi ce délire, quoi? Il prend pas ses coups. What the fuck? Tiens! J'ai tranché la gorge, moi, sac à merde. Oh, mais oh. Bah, allez, c'est parti, je fais le béni au bonus. Machin truc. Rosé du soleil. Rosé du soleil a transformé la feuille en bateau. Tintintintin! Prendre le bateau. Ouais, choper plein de pierres du bonheur. Par contre, du coup, on va prendre Miss Xiao. Parce que s'ils font trop mal, les mecs... J'ai récupéré un minon. C'est quoi ça? Un appât. Ok. Pas. Ouh, une améthyste. Pâle. Ouais. J'aimerais quand même bien une perle. T'es mort là, non?
Oh putain. Machin, il a resté 4 fois 1 de vie. Pas arsenic, génial, j'en ai rien à foutre. Sac plein. Sac plein, sac plein. Tiens, j'ai un vieux caillou là. Bon, on se prend ça. Mimi, ok. Pourquoi pas. De penser. Ah bah. Max. Copie adaptée. Ouais, si. Alors, pour transformer. De le jeter dans la gueule. Qu'est-ce que j'ai pas un truc qui donne un max d'agilité? Non. Non. Ouais. Par contre, il faudrait une place si je veux pouvoir récupérer des appâts à la con. Bon, même si c'est pas une priorité, mais. Attends, les pommes arseniques, ciao. Récupère des PS, mais elle a une soif. C'est dommage à base de magie. Je dégage une place, ouais. Et du coup, j'ai rien récupéré en caillou quasiment. Quoi que c'est ici. Génial, je pense une pomme arsenique pour en récupérer une autre. C'est super pratique. De m'agresser encore. Ok. Ah bah fuck it, on va les ignorer. Hein. Oh putain. Toi je t'ignorais comme jamais.
Alors, la fée moustache, elle est où? De la rivière, c'est bon ça. La poule de réparation, c'est bon aussi ça. Encore une rivière. Je pense que normalement là du coup on doit avoir assez pour réalimenter l'arbre. Et un escalier, très bien. Maintenant, direction la sortie. Esquive. D'abord, plouf. Alors, qu'est-ce qu'il veut, l'hibou? Est-ce qu'il veut... une châtaigne. Il veut une châtaigne, parfait. Sortir. On va vendre plein de trucs. On va se faire un max de thunes.